comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médecine. Après 45 ans, notre corps mérite une attention particulière et la nutrition devient une arme puissante pour soutenir notre énergie, notre vitalité et notre bien-être. Aujourd'hui, explorons ensemble 7 fruits puissants qui peuvent vraiment transformer votre vie après cet âge mature. Car chaque aliment que vous consommez influence votre santé présente et future. Regardez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si vous aimez les astuces santé, abonnez-vous et soutenez-nous en aimant et en partageant cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser votre propre expérience en commentaire. C'est parti! La première place de notre liste revient aux baies d'Açaï. Il s'agit des fruits originaires d'Amazonie, connus pour leur richesse en antioxydants, des molécules qui protègent nos cellules du stress oxydatif, un phénomène qui peut entraîner des dommages cellulaires et favoriser le vieillissement. Les antioxydants des baies d'Açaï sont donc importants pour préserver notre bien-être et prévenir certaines maladies. Ce sont aussi de bonnes sources de fibres et d'acides gras insaturés. Les fibres des baies d'Açaï sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre système digestif, car elles facilitent le transit intestinal, augmentent la sensation de satiété et régulent le taux de sucre dans le sang. Les acides gras insaturés, comme l'acide oléique et l'acide linoléique, abondants dans ces fruits d'Amérique, sont bénéfiques pour notre système cardiovasculaire, car ils aident à maintenir un bon équilibre du cholestérol et à prévenir les maladies cardiaques. Des nutriments importants pour la santé de tous, et particulièrement à partir de 45 ans, lorsque notre corps commence à avoir plus de difficultés à répondre à ses besoins nutritionnels. Nous poursuivons notre liste avec la grenade, un fruit savoureux et bénéfique pour notre santé. La grenade se distingue par ses propriétés anti-inflammatoires, qui lui viennent de ses composés spécifiques, appelés punicalagines. Il s'agit des molécules qui agissent comme des modérateurs de l'inflammation, un phénomène qui peut être impliqué dans plusieurs maladies, comme les maladies cardiaques et l'arthrite. L'inflammation chronique peut s'aggraver avec l'âge, c'est pourquoi il est important de consommer des aliments qui peuvent la contrer. La grenade peut donc être un bon allié pour réduire l'inflammation dans le corps et ainsi favoriser une meilleure santé à long terme. Des études ont montré que la consommation régulière de jus de grenade pouvait diminuer la pression sanguine, améliorer la circulation sanguine et limiter la croissance des cellules tumorales chez les personnes souffrant d'hypertension ou de cancer. En plus de ses vertus anti-inflammatoires, la grenade est aussi riche en antioxydants qui protègent nos cellules du stress oxydatif, un facteur de vieillissement et de maladie. C'est un fruit doté d'un puissant antioxydant appelé punicalagins, qui est 3 fois plus efficace que ceux du vin rouge ou du thé vert. Notre troisième place revient aux baies de goji, un fruit originaire de Chine consommé depuis des millénaires pour ses vertus médicinales et nutritionnelles. Les baies de goji sont riches en vitamines, notamment la vitamine C, la vitamine A, la vitamine B2 et la vitamine E, en minéraux comme le fer, le zinc, le sélénium et le cuivre, et en antioxydants comme les caroténoïdes, les flavonoïdes et les polysaccharides. Ces nutriments sont importants pour renforcer le système immunitaire, qui nous protège des infections et des maladies. Les baies de goji ont également des effets bénéfiques sur la santé de votre peau et de votre vision. Le bêta-carotène, un antioxydant présent en grande quantité dans les baies de goji, contribue à prévenir le vieillissement cutané et à protéger votre peau des dommages causés par le soleil. Le bêta-carotène de ce fruit est aussi essentiel pour la vision, car il se transforme en vitamine A dans l'organisme. Une vitamine qui aide à maintenir la santé de vos yeux et à prévenir la cataracte et la dégénérescence maculaire, une maladie de l'œil qui affecte la macula, une petite zone au centre de la rétine qui permet de voir les détails et les couleurs. Les baies de goji sont donc un fruit qui peut apporter de nombreux bienfaits à notre santé, mais il faut les consommer avec prudence. En effet, les baies de goji peuvent interagir avec certains médicaments, comme les anticoagulants, les antidiabétiques ou les antihypertenseurs, et provoquer des effets indésirables. Il est donc conseillé de demander l'avis de votre médecin avant de consommer des baies de goji, surtout si vous suivez un traitement médical. Notre quatrième fruit est la papaye, un fruit tropical sucré et savoureux. La papaye est une source d'enzymes digestives, en particulier la papaïne, qui aide à digérer les protéines et à prévenir les troubles digestifs courants après 45 ans. Des études ont montré que la papaïne pouvait soulager les symptômes de la dyspepsie, de la constipation et des ballonnements. Elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes qui peuvent être utiles pour traiter les ulcères gastriques et les plaies cutanées.
La papaye est également riche en vitamine C, un antioxydant qui protège les cellules du stress oxydatif et stimule la production de collagène, une protéine qui assure la fermeté et l'élasticité de votre peau. La vitamine C peut donc contribuer à prévenir le vieillissement cutané et à améliorer l'aspect de votre peau. La papaye contient aussi d'autres nutriments bénéfiques pour la peau, comme la vitamine A, la vitamine E, le bêta-carotène et le lycopène. La papaye est donc un fruit qui peut apporter de nombreux bienfaits à notre santé digestive et cutanée, particulièrement pour les plus de 45 ans avec un système digestif déclinant. Cependant, consommez-la avec modération car la papaye peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes, notamment celles qui sont allergiques au latex, car la papaïne est proche des allergènes du latex. Testez donc votre tolérance à la papaye avant d'en consommer régulièrement. Continuons notre liste avec les myrtilles, un fruit délicieux et nutritif qui est de plus en plus reconnu pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Les myrtilles sont particulièrement intéressantes pour améliorer la mémoire et la fonction cognitive, surtout après 45 ans, lorsque vos capacités peuvent commencer à décliner. Les myrtilles sont riches en anthocyanes, des pigments qui leur donnent leur couleur bleue et qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. Ces molécules protègent les cellules du cerveau du stress oxydatif et de l'inflammation, qui sont des facteurs de vieillissement et de maladies neurodégénératives. Les anthocyanes peuvent aussi stimuler la communication entre les neurones, favoriser la multiplication des cellules nerveuses et leur adaptation au changement. Des études ont montré que la consommation de myrtilles pouvait améliorer la mémoire, l'attention, la vitesse de traitement de l'information et les fonctions exécutives chez les personnes âgées, notamment celles qui présentaient un déclin cognitif léger ou un risque de maladie d'Alzheimer. Les myrtilles peuvent donc être un bon allié pour préserver et optimiser vos capacités mentales tout en vous régalant avec leur goût sucré et acidulé. En sixième position, penchons-nous sur la banane, un fruit énergétique et populaire apprécié pour sa praticité et son goût délicieux. La banane est une excellente source d'énergie naturelle, grâce à sa teneur en glucides, en particulier en glucose, fructose et saccharose. Des sucres naturels qui fournissent un regain rapide d'énergie, ce qui en fait un encas idéal avant l'exercice physique ou une collation revitalisante pendant la journée. De plus, la banane est riche en potassium, un minéral essentiel pour équilibrer les fluides dans le corps, réguler la pression artérielle et favoriser la fonction musculaire. La combinaison de glucides et de potassium en fait un choix optimal pour soutenir l'endurance physique et favoriser la récupération après l'effort. En outre, la banane contient des vitamines, notamment la vitamine C, la vitamine B6 et des antioxydants, qui contribuent au soutien du système immunitaire et à la protection contre le stress oxydatif. C'est un fruit polyvalent qui peut être intégré facilement dans votre alimentation quotidienne pour vous aider à maintenir votre vitalité tout au long de la journée. Une pomme par jour éloigne le médecin, un dicton populaire qui a du mérite. Notre septième place revient aux pommes, le fruit le plus consommé en France. Les pommes sont riches en fibres, notamment la pectine, qui facilitent le transit intestinal et réduisent le risque de constipation. Les fibres peuvent aussi aider à réguler le taux de cholestérol, en empêchant les graisses de s'agglutiner dans les artères et en favorisant leur élimination par l'organisme. Les pommes sont également une source de vitamine C et de polyphénol, des antioxydants qui protègent les cellules du stress oxydatif et de l'inflammation, qui sont des facteurs de vieillissement et de maladies cardiovasculaires. Des études ont montré que la consommation de pommes pouvait réduire le risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, et de maladies coronariennes, un détail capital après 45 ans. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de partager vos expériences dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de nos futures publications. À bientôt.